ので、で、町のピアノになったので、それをストリートピアノといって、全国で24台提供してるけど、これ11代目。で、この町のほら、あの、子供たちが絵描いたんで。うん、この地域の子が描いてる、うん、で私がこれ持ってきたので神戸からでこの町のピアノにしたので、でこれもちろん今からもまたずっと町で活用できるので生かされるので、でも一番やっぱり、まあ、可愛いことはいっぱいあるけどこれはそうかな、うん、C'est un boulon goûté de Shirokuma, ou un boulon en français, un dessert spécialité de Kagoshima, que j'ai fait une rencontre très touchante. J'avais repéré un magasin près de la gare de Ibusuki qui s'appelle Joho Plaza, la place de l'information. Mais en arrivant près de la porte, j'ai vu que le magasin était vide et seulement deux dames âgées étaient assises par terre au milieu du café. Il restait seulement un piano, une chaise en bois et beaucoup de cartons.Je pensais donc que le café était fermé, mais la dame me fit signe de rentrer avec un grand sourire. Et une des deux femmes m'a dit « Tu veux manger Shirokuma, n'est-ce pas ?» Puis elle ajouta « On va fermer ce café, donc on lunch maintenant. Mais on a de quoi faire un dernier Shirokuma, donc sois la dernière cliente s'il te plaît. » Shirokuma est originellement né dans la ville de Kagoshima. Le Shirokuma est un type de kakigori, une glace qu'on trouve dans beaucoup de festivals.Avec beaucoup de lait concentré, on décore la glace avec les fruits pour le faire ressembler à un œuf blanc. Ici, elle a utilisé une machine qui a 100 ans pour piler le bloc de glace. Grâce à cette machine, le kakigori devient comme de la neige moelleuse.Ensuite, on ajoute du lait, des oranges, des ananas, et avec du raisin, on fait les yeux et le nez de l'œuf. Le dernier Shirokuma est vraiment très grand. Vous voyez l'us, c'est tout trop mignon. Allez, je vais goûter. Itadakimasu. Oh, c'est très frais, doux et bon. C'est très bien pour l'été très chaud. Ce magasin a ouvert il y a 10 ans. Cette femme a habité à Osaka à cause du travail de son mari, mais après la retraite, ils sont rentrés à Kagoshima et elle a commencé ce café parce que la ville lui a demandé.C'était un café, mais aussi un magasin de spécialité de Kagoshima. Je crois que ce magasin a donné beaucoup d'informations pour les visiteurs, car c'est en face de la gare. Elle était vraiment trop gentille, elle m'a donné des boucles d'oreilles et elle m'a fait porter le tissu comme une indienne. Je ne m'attendais pas à faire ça dans ce café. C'était vraiment une très belle rencontre, j'étais vraiment chanceuse de la rencontrer et je voulais vraiment vous la présenter.J'ai parlé avec elle comme une petite interview, donc je vous laisse la regarder. どういうきっかけでその、うん、神戸から持ってこられたんですか？主人の定年退職でここのふるさとを来るときに、うん、持ってきたので一緒に。で、それで寄付したので。でこのお店は、うん、そのなんか市の要請でされてた、うん、2年間はそうだった。
で、あと私が引き受けて、今は7年目ぐらいかな。うん、で、あの、指宿のこの駅の前が大好きで、で、こだわって10年ぐらい経ったので、街づくりの意識、うん、持ってて、レストランみたいに、レストラン、うん、カフェとお店と、うん、そう、指宿のその物産をされてる、うん、そう、寂しいですね、寂しいね、うん、まあでも何かまた意味があると思うし、みんながなんかこう受け継いでくれて、これもそうだし、まあラジオも流してるのも、これはやっぱり誰もやっまあ、古いものを生かしたということですよね。うん、で、カフェはやっぱり、いろんな方と全国の人と出会うから、本当に外国の人含めて、お友達いっぱいできた。うん、それでここの財産かな。うん、で、まあ、今日は、最後の白熊食べていただいて嬉しかったのは、本当に今のシーズンは白熊だからなんか嬉しかった。うん、ありがとうございます。はい、また次される時は、ね、うん、外国人とかもね、いろいろね、たくさん本当だね、そうだね、期待してます。そうしてください、はい、その時はまた来ます、うん、そうよね、そうしてくださいね。ジェスペクラビデオブザンテレセJe vais envoyer la vidéo à la fin bientôt. Donc, si vous pouvez partager et mettre un pouce bleu beaucoup, je pense qu'elle sera très contente si elle voit que beaucoup de monde a regardé. Merci beaucoup et à bientôt. Matane.